ce qui distingue la spécialité matériaux de Polytech Paris-Sud, c'est plutôt l'aspect mécanique des matériaux. Et puis, on va avoir un fort accent sur la simulation par éléments finis des structures, donc afin d'éviter la rupture en service des structures. Donc, on utilise pas mal de logiciels de simulation pour arriver à connaître le dimensionnement des structures. On va avoir des performances sur les caractérisations des matériaux. On est dans une belle salle de TP ici où effectivement on a pas mal de bancs d'essai qui permettent aux étudiants de caractériser la mécanique des matériaux, mais aussi les propriétés chimiques et physiques des matériaux. Et puis on a accès à des laboratoires sur l'université, accès privilégié à des gros équipements. On essaye progressivement d'introduire dans nos pédagogies une pédagogie par projet, c'est-à-dire qu'on donne un sujet à explorer, une problématique à l'étudiant, et il ira lui-même chercher les cours, soit vers des polys qu'on lui aura distribués, soit vers des cours sur Internet, soit vers des MOOC ou des cours en accès libre. On a des pédagogies vraiment inversées, c'est-à-dire pour le coup, il n'y a pas du tout de cours. Le cours se fait à la maison, enfin, l'étudiant va intégrer le cours chez lui. Alors ça, ce n'est pas l'ensemble des cours, puisque ça correspond à plutôt, on va dire, 20% de la pédagogie actuelle. Puis la pédagogie classique du département, c'est du cours TD intégré avec pas mal de TP, puisqu'on est dans un département de matériaux. En dernière année, il y a trois parcours proposés aux étudiants. Une partie sur les polymères et les composites, une partie sur la mécanique des matériaux et puis une dernière partie sur plutôt l'énergie. Donc ça comprend des énergies nouvelles comme l'énergie renouvelable et puis l'énergie nucléaire évidemment. Nos étudiants vont se retrouver dans des secteurs d'activité qui sont liés à ces axes de formation. Donc principalement trois secteurs d'activité, d'abord aéronautique et spatiale, le BTP. Et enfin, on a un dernier secteur d'activité qui est l'énergie, donc on les forme plutôt bien dans l'énergie renouvelable et énergie nucléaire.